Comment je m'appelle? Louis Vitré de Coron, né en 1869, paysan à Boisy, route du Vaude. Puis j'étais retraité, 34 rue Nationale dans le Haubourg, tonton Louis pour la famille. Et toi alors? Ah, Estelle Réveillère, petite fille d'Annick Réveillère, Annick Martin-Boussion, ma petite nièce, je vois bien qui tu es. Oui, cette photo et cet objet, je peux te raconter. Ça, c'est novembre 1901. C'est le mariage de ton aïeul, Jean-Baptiste Boussillon, avec Louis Gilbert. C'était la sœur de ma femme. Les Boussillon-Gilbert, c'est des tisserands. Dans le Haubourg, ils tissaient dans leur cave. Regarde les belles dentelles. Et moi? Ben moi, je suis le grand debout, avec la grande moustache. En 14? Qu'est-ce qui s'est passé? En 14, tu vois, sur cette photo, nous sommes sept mobilisables de la famille. Cinq beaux-frères. Et puis les deux gamins devant, mes neveux. On est sept à être partis à la guerre. Cinq dans l'infanterie, comme ton aïeul. Un à la territoriale. Mon beau-frère, il était borgne. Et moi j'étais dans l'artillerie. On est cinq à être revenus, mais deux invalides. Un les deux gamins et puis ton aïeul. Mais deux, ils sont restés. L'autre gamin, mon neveu, Louis Lahaye, il a eu une maladie de tranchée en mars 16. Et puis il y a eu mon beau-frère, Jules Gilbert. Lui, il est tombé en juillet 17 à Craonne, au chemin des Dames, près de Saint-Quentin. Oui, c'est ça. C'est pour lui que j'ai fait cet objet. Et que j'ai gravé Marie-Louise, Saint-Quentin, 1917. Après la guerre, ben, je suis retourné au champ. Mais c'était plus dur pour les tisserands. Parce qu'après 4 ans et demi au front, au retour en plus, ils perdaient leur travail. Le tissage à la maison, ben, maintenant ils partaient en usine, en ville. Moi, une fois vieux, j'avais ma bande. C'était la bande des quatre, avec Joseph Catroux, Mathurin Gaborio, Mature, et puis le père Vergniaud, le père de sœur Angélique. On était toujours ensemble. Ces trois-là, ils n'étaient pas partis en 14. Trop vieux. Moi, ça m'arrangeait. Car de la guerre, tu vois, comme ton aïeul, on n'en parlait jamais. Jamais. Ah oui. Marie-Louise, sur l'objet, c'est Malise. Ben, Malise Boussillon. C'est la fille des mariés, c'est ma nièce. Là, sur le marché de Vieux. Avec son beau-frère Marcel Martin, primeur. Place de la Poste à Coron. Ben, c'est ton arrière-grand-père. Puis Malise, elle est venue habiter avec moi, rue Nationale. Puis elle s'est occupée de moi. Jusqu'à ma fin en 55. Voilà. Marie-Louise, Saint-Quentin, 1917. Maintenant, tu sais tout.